Oh, eh bien, bonjour. Voilà, j'ai fait ce petit montage pour vous présenter une route que j'ai découverte. Tournez à droite. Grâce à d'autres. Hein. Il se trouve, alors il faut avoir ProMode 250. Là, j'ai installé. Hein. Autrement, on ne l'a pas. Hein. Et on s'en va de Saint-Girons et on monte. En Andorre là-bas. Et c'est une route pas évidente, hein. Vraiment ça régale, bon, parce que bon, d'abord les décors sont magnifiques et ensuite bon, c'est très sinueux. Des fois c'est pas évident dans les virages de tourner, notamment plus qu'il y a d'autres camions qui descendent. Hein. Ou inversement qui monte quand on descend, hein. Vraiment c'est une route que je me régale de faire. Voilà. Alors, je fais un petit montage pour vous faire voir à quoi ressemble cette route. Voilà. Alors, si vous ne la connaissez pas, bon, écoutez, allez la voir. Hein. En principe je démarre depuis Pau, hein, et puis bon, je monte la route jusqu'à Andorre. Hein. Vraiment bien, voilà. Mais comme j'ai dit, il vous faut ProMode d'installer. Voilà. ProMode, bon, on va le télécharger moyennant 1 €. Actuellement, c'est la version 2.50 que j'utilise. Alors, il m'est arrivé un truc, j'avais pas désactivé les mises à jour de ETS2, je vous le dis. Du coup, la dernière mise à jour qu'a fait ETS2, j'ai eu les fichiers ProMode qui n'étaient plus compatibles. Voilà. Alors, quand même, ce système, bon, en cherchant, j'ai trouvé qu'on pouvait revenir à une mise à jour précédente de ETS2. Et comme ça, mes fichiers ProMode ont été à nouveau reconnu. Voilà, parce que le fichier ProMode, ça fait quand même pas mal de mégas à charger. Ça serait que des fichiers de petite taille, bon, ça serait pas un problème. Bon, c'est des gros fichiers. Voilà. Alors, désactiver en ETS2 les mises à jour. Alors, comme ça, vous êtes tranquille. American, ATS, bon, il n'y a pas de problème, bon, parce qu'il n'y a pas de ProMode qui existe. Voilà. Voilà pour ce qui est ce que je pouvais dire sur cette histoire de mise à jour. Voilà, vraiment, bon, c'est magnifique. Hein. Et ça roule, ça tourne vraiment bien. Je ne sais pas, une config de fou, hein, mais enfin, une config quand même à 32 Go de mémoire de RAM. I7 9700, bon. La carte graphique, c'est une simple RX 490 AMD, quoi, mais enfin, bon, ça le remue bien, quoi. Enfin, pour ATS2, j'ai aucun problème, quoi. Voilà. Et là, tout doucement, on monte là-haut jusqu'à Andorre la Vieille. Voilà, et c'est vraiment une route qui est géniale, bon, avec de jolis décors, comme on peut voir. Voilà ce que je pouvais dire, bon, je vous dis à bientôt. Voilà. Après celui-là, je m'en vais envoyer la config de mon poste de travail avec l'utilisation. Là, ce matin, j'ai installé un pupitre que je me servais pour Farming Simulator et qui est pris en compte avec mon volant G29. Et bon, ça m'amène pas mal de touches parce que le problème avec le volant, c'est que quand on tourne, bon, on est obligé de regarder pour retrouver les touches pour appuyer et bon, on va dans le décor. Tandis que là, bon, sur le pupitre, bon, on y va avec le doigt, même sans regarder, quoi. Voilà. Pourquoi j'ai voulu installer ce pupitre. À bientôt.
Tenez la droite, puis sortez à droite. Sortez à droite. Alors bon, ça fait pas mal d'années que je joue à ces jeux, le PS2, American Truck Simulator. Bon, mais le PS2, c'est vrai que j'avais mis le mode, j'avais mis vite le mode triche, bon. C'est-à-dire, bon, on mettait un paquet d'argent, un paquet d'XP. J'ai joué pas mal de temps comme ça, et puis bon, à force, ça devient... Ça m'intéressait moins. Voilà. Et là, je me suis remis là depuis environ un mois. Là. Cette fois-ci, bon, alors, il m'a fallu reprendre tout depuis le début. Hein. Je me suis mis à un jeu normal, ça me triche quoi, voilà. Et c'est vrai que j'avoue que c'est plus intéressant qu'avoir des crédits illimités, des XP illimités. Voilà. C'est plus intéressant parce que on se fait, ben, vous connaissez, bon, on fait des. On achète des garages, bon, on achète d'autres camions, on gère des chauffeurs, tout ça. Ça amène un attrait quand même qu'on n'a pas quand qu'on a tout pour rien. Quoi, voilà. C'est un peu en fait comme dans la vie, quand on a tout. On se désintéresse un petit peu, c'est moins intéressant. Par contre, quand il faut se le gagner, bon, dans la vie c'est comme ça, ben, quand il faut se le gagner, ça, c'est plus dur, mais c'est plus intéressant. Prenez la première sortie. Voilà ce que je pouvais ajouter. Sortez maintenant. Au rond-point, prenez la deuxième sortie. Sortez maintenant.
Allez tout droit. Au rond-point, prenez la première sortie. Sortez maintenant. Préparez-vous à tourner à droite. Tournez à droite. Vous êtes arrivés.